émission Mi Dao. Nous aussi, la place de la victoire. Nous allons changer des mots et quatre paroles. Il y avait des points 3, mais aussi il y avait des mondes qui dépassent. Nous allons dans des quartiers tels que la Viraspagne, Chimenef, la Cousania et peut-être si loin, plus loin, voire Carénage. Donc, nous allons rencontrer ces mouna pour nous changer des mots et quatre paroles. Evedao, c'est Rouvezier et Tanzoré. Émission Midao, Jodla, nous en lacou à association ou sinon groupe, un groupe qu'elles ont toutes connaître, qu'elles ont créé 50-50, qui à la rue Raspagne. Nous allons parler avec vice-président à association Lassa, monsieur Denis, c'est bien ça? Denis Kibitin. Alors moi c'est Denis Huc, en c'est Moun Basté à l'origine. Et depuis quelques années, on a arrêté la pointe. Justement, quand qui mène des Bastets, quand qui mène la rue Raspagne en 50-50? Ben tout simplement, les en fin d'études moi en métropole, on retrouvait moins qu'à travailler par Sigosier. Et en juin, il y avait un ancien 50 là, qui était qu'à vraiment descendre Bastets tous les week-ends en Voukoum là pour faire des boulets en moi. Il dit, mais pourquoi on a fait tout ça la rue? Nous n'avons masse là, faut venir. Et c'est comme ça, on est rentré en 50 là. Donc il y a à peu près 22 ans de ça. Et donc on apprend Saint-Jean avec 50 là, on apprend tout le kilti à Saint-Jean avec 50 là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je joue toujours là, toujours en groupe là. Et nous qu'à travailler pour faire masse l'avancer, pour faire association l'avancer. Et nous prenons toute force à nous n'y en face de nous, président. À association 50-50. Alors, est-ce que tu peux présenter au nom, prénom et qualité à en groupe 50-50, association 50-50? Eh bien, non, moi c'est Lee Tommy et en président 50 depuis mai à l'année là ça. Sans bulletin récent. Nous renouvelons l'équipe là l'année là ça. Élection, c'est tous les 2 ans. Et donc, on participe pour 2 ans là actuellement. Alors, au parti pour 2 ans, objectif pour les 2 ans qui est au parti, c'est Kibitin. Alors, nous très sensibles à transmettre ça, nous trouver. La transmission. Donc, transmission à Jean-Moun qui a fait un bout, transmission à musique en nous, parce que nous, musique en nous particulier, il est basé pour tous les groupes à poème, mais il est basé particulièrement sur le Saint-Jean. Nous avons une façon particulière de jouer. Donc, c'est ça que nous allons essayer de transmettre. Et puis par-delà de ça, nous sommes association, nous ne sommes pas un groupe à masse. Donc nous sommes association et nous sommes très ancrés en quartier là et c'est ça que nous avons envie de développer. Qu'est-ce que vous proposez Jeunesse Guadeloupe, Jeunesse La Cousamia, Jeunesse La Riraspagne, Jeunesse Carénage? Qu'est-ce que vous proposez Jeunesse là ça à l'entour mouvement culturel? Alors pour l'instant, nous en élaboration de ça nous fait proposer. Nous pouvons proposer vraiment, nous en réflexion. Mais déjà, encore une fois, ça basé sur. La transmission nous, et ça nous rappelle, c'est musique à masse, c'est tradition à masse, et c'est culture qui a dans tout ça. Donc, nous sommes forcément basés en apprendre musique à Saint-Jean, apprendre faire les instruments pour jouer musique à Saint-Jean,
et apprendre jouer goka, apprendre faire les tambours, apprendre faire ces bidas. Pour l'instant, c'est ça nous basé sur ça. Alors, tout ça on va dire moi là qu'a fait un plaisir, encore rappeler moi Léon le Bonne qui c'est un ami d'enfance, qui était un ami d'enfance, déjà dans la règle là ça. Déjà qu'a raisonné comme ça et en cas supposé ou d'après 100 ans, il a déjà commencé à travailler là ça. Oui, et ce travail à Léon nous va continuer hein. C'est Léon qui reband nous ballon là ça. Et ce travail là nous va continuer. Quoi là nous y est là, nous devant ça était qu'a créé atelier Zoban. C'était atelier ai et c'est là il était qu'a fait justement ces bitins là ça. Il était qu'a fait tambour et il tenait l'eau action avec que ce soit mémorial là, que ce soit maison départementale, que ce soit les écoles alentour pour apprendre ces petits mouna qui genre musique là qu'a joué et qui genre pourquoi faire cet instrument là. Qu'a présenté ou c'est monsieur ancien monsieur Arnolin et levé la rue Aspay Arnolin et droit moi Fabien levé la rue Aspay né la rue Aspay et toujours à dans quartier là ça qui justement faut promouvoir et faut nous arriver à mettre lié à l'honneur quoi puisque actuellement là nous pas parler des monde bas de la sauce parce que souvent il dit monde bas de la sauce c'était monde qui était mauvais mais actuellement là c'est la Guadeloupe c'est ouvert à tout le monde et faut nous travailler en sens là ça. Il ne faut pas oublier que 50-50, c'est un groupe à quartier. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont formés par rapport au nationalisme, par rapport à ça qu'il y a à revendiquer. Nous devons revendiquer quartier en nous et nous devons revendiquer bien parce que nous savons qu'à nous sommes, qui gens nous sommes à l'extérieur. Donc nous arrivons à faire un groupe de justement des masses juste après Akio. Qui rapport qui tient entre 50-50 et ACD? Rapport là simple, hein, c'est monde qui était à CD courir en 50-50. Et donc moi j'ai fait partie parce que moi quand même assez l'un des entraîneurs de la CD, l'un des joueurs de la CD puisque quand même nous gagnions championnat basket et nous arrivions à quand même courir masse parce que quand on les deux pareil ensemble mais nous gagnions plusieurs championnats en tant que jeunes et nous courir à 50-50 et nous arrivions à faire les deux. C'est pourquoi radio moi c'était quartier. Donc le cas représentant quartier qui était important et qui était mal vu par certaines personnes de point d'habitude. Et c'est le quartier là ça a été mis à côté. Donc nous obligé de faire double travail là pour justement nous sortir nous de ça nous dit. Espace à 50-50, nous avons Colette qui a présenté lui-même, qui a dit nos noms et prénoms, et activité et surtout enceinte association La Salle. Alors, quel est ton rôle au niveau de l'association? Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Colette Muraté et c'est secrétaire adjointe à l'association 50-50. Depuis combien de temps ou en 50-50? Ah, ça a fait près d'une vingtaine d'années, hein? Près d'une vingtaine d'années. Alors, qu'a 50-50 depuis porté pour et qu'a prendre des bons en 50-50? Alors, 50-50, qu'a porté bon moins? Il porté un lobby bon moins, soutien, surtout le soutien moral. Qu'a porté bon moins de plus? C'est un changement, parce que avant, on était pire enfermé. Mm-hmm. Donc, au sein de l'association là, en vine plus dégoûté, en vine plus ouvert, plus libre, voilà, mm-hmm. justement. Mm-hmm. Et donc, du coup, ça portait mon lot.